Alors, euh, salut tout le monde. Bon matin. Vous allez bien? Yes. Oui, oui, ça va bien. Merci. Alors, euh, content que vous soyez là euh, pour la suite de notre. Euh, notre étude, donc, ça avance bien. On va terminer le sujet 4 euh, aujourd'hui. Donc, on, on va y avoir passé deux semaines. C'est quand même un sujet important. Et euh, croyez-le ou pas, le dernier sujet, on va y passer les trois derniers cours. Donc, euh, on a cinq cours à faire ensemble là, avant le dernier travail et le dernier euh, examen. Donc, euh, on va passer nos trois prochains cours sur le calcul d'impôt des sociétés. Donc, je vous en parlerai la semaine prochaine, mais c'est sûr que c'est un, un sujet important. Donc, euh, j'allais vous montrer le plan de travail juste avant. J'ai vu passer ça euh, hier ou ce matin, là, donc... Euh, nos patriotes hockey sont en série et ont gagné. Donc, Je sais que j'ai des athlètes patriotes euh, dans, les, dans les classes, dans les deux groupes, mais euh, je ne sais pas si on a des joueurs de hockey. Pas ici, hein, je pense. Donc, vous leur direz bravo euh, si vous voulez, si vous en connaissez euh, quelques-uns. J'ai vu passer aussi, je ne peux pas tout vous les montrer, j'ai vu passer aussi l'équipe de volleyball féminin, je pense, qui a, qui a joué son dernier match là, de la saison, donc, pour qui ça a bien été aussi. donc... Euh, Bravo, hein, je trouve ça le fun, je vous encourage. À, ben, je ne suis pas tous des patriotes, là, mais je pense qu'on peut être fiers de, de ce qu'ils font. Puis Je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui se réalisent dans d'autres domaines, mais c'est une des belles façons de se réaliser aussi, ça, être, être athlète, euh, étudiant, athlète. Hein, pas athlète, étudiant. <laughs> étudiant avant athlète. Donc, bravo. Donc, je tenais à le souligner. Bon, vais terminé ça. OK, alors si, comme je vous disais, si on regarde notre plan de travail, donc semaine 10, on termine le sujet 4. Donc, euh, même chose que d'habitude, je ne répéterai pas tout. Juste euh, ne pas oublier le questionn questionnaire de cette semaine. Personne ne l'a oublié, sauf une personne euh, euh, la, la semaine passée. Là, donc, c'est bien parti. Vous ne l'oubliez pas d'aller chercher ces deux points-là qui sont en même temps, euh, en même temps. Euh, ça donne deux points gratuits puis ça vous garde à jour. Donc, c'est gagnant-gagnant. Euh, donc, dimanche soir ou plus tard, allez aussi compléter ce questionnaire -là. Donc, cette semaine, on va terminer les particularités. Je vais aller vous montrer les thèmes de la, de la semaine. Bien sûr, on va mettre ça en pratique avec un, un problème, un problème inédit cette semaine. Donc, ce n'est pas, pas un problème de, de la BQ en fiscalité modifiée. Là. Il est flambant neuf, il est inédit. Donc, ben, ça ne change pas grand-chose dans les faits. C'est juste que euh, ça va vous faire comme un problème de plus à faire à la maison. Là. Salut, euh, ça va bien? Yes. Oh, pas, de problème. pas de problème. On est entre nous autres. Bon, alors euh, donc comme je disais, oui, donc euh, le problème va traiter des, des, bien sûr des particularités qu'on va, qui nous reste à voir ici. Puis on va revenir aussi sur certaines particularités vu la semaine passée. Là, le problème est quand même récapitulatif au niveau du sujet 4. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'aille plus loin sur des choses qu'on a déjà vues, des choses de la semaine passée, non De se faire habitué hein. On est dans le dernier droit. Alors, euh, si je vous rappelle les fameux thèmes qu'on va voir, excusez-moi, donc, euh, je ne reprendrai pas tout, là, mais je vais tout à aux particularités. Au sujet 4, donc ici, donc, euh, l'exemption pour résidence principale, on va la pratiquer cette semaine. Donc, euh, évidemment, quand une personne peut deux résidences à la fois, d'accord, et qu'elle vend une des résidences, ce n'est pas... Je vais essayer de vous dire ça autrement que la semaine passée, là, sans me répéter. Mais l'idée, c'est juste de dire premièrement, si tu détiens une seule résidence, il n'y a même pas d'analyse à faire. Tu l'exemptes au complet, puis. Il n'y a, a rien à lire dans le, dans le, dans, au niveau du sujet 4.1 parce que toute la discussion est sur l'optimisation quand on a deux résidences à la fois. Donc, je répète, quand on a une seule résidence à la fois, à chaque fois que vous la vendez, à chaque fois que vous faites un gain, c'est la seule que vous pouvez désigner comme résidence principale. Donc, nécessairement, votre, votre calcul d'exemption va être à 100% tout le temps. Quand vous êtes ici, là, quand on vous dit nombre d'années nombre où vous détenez votre propriété, si vous dites 10. Puis au numérateur, on vous dit parmi ces dix années-là, pour quelle année tu vas la désigner comme étant ta résidence principale, tu vas toujours la désigner. Donc, tu vas toujours avoir 10 sur 10 ou même 11 sur 10, donc une pleine exemption, parce que tu pour une année donnée, tu as une seule maison en ta possession. Mais, comme on a dit ce passé, aussitôt qu'on tombe en double propriété, aussitôt que pendant un certain nombre d'années, on a deux résidences à la fois. Là, notre année de, de propriété, on, peut, on va la mettre au numérateur d'une seule maison, donc l'année 2006. L'année 2017 ou l'année 2020, par exemple, si je la mets au numérateur en, en disant que c'est ma maison 1 qui est ma résidence principale, bien, cette même année 2020-là, tantôt quand on va faire le calcul de l'autre maison que j'ai aussi détenue en 2020, je ne pourrais pas mettre cette année-là au numérateur. Je crois que vous l'avez compris. Donc, d'où tout, toute cette idée-là d'optimiser la situation pour placer nos, nos années de désignation pardon, dans la maison où c'est le plus payant de le faire. 4.2, changement d'usage d'une immobilisation. Donc, lorsqu'un bien à usage personnel devient en cours de route un bien commercial ou l'inverse, il y a une disposition présumée de ce bien-là à la valeur marchande. Transiger, transaction sur option. Donc, si j'achète des options, trois finalités possibles soit je l'exerce, pardon, pas ici, soit je euh, l'exerce, soit je la revends ou soit je la garde jusqu'à son échéance. C'est les trois finalités possibles avec des conséquences fiscales qu'on a vues. Euh, OK, nouveau sujet de cette semaine. On va, on va le mettre en pratique. Donc, ça vise un contexte bien simple. Je suis un, un investisseur. J'ai investi dans un, dans un placement quelconque en actions ou en créances. Vous savez, essentiellement, il y a deux grandes familles de placements. Si vous êtes un investisseur, vous pouvez décider d'acheter des actions dans une compagnie. De, vous allez devenir un propriétaire entre guillemets, de, la, de la compagnie avec les autres actionnaires. Ou l'autre façon de faire un placement, c'est d'être un prêteur. On peut décider de, de faire un, un prêt à la société. Donc, dans quel cas, on n'est pas propriétaire, on n'est pas un, un actionnaire, on n'a pas de part en, en, dans la propriété de la compagnie, on est juste un créancier. Peu importe, dans les deux cas, peu importe le, le chemin que vous choisissez, créance ou action, imaginez que vous vous ramassez avec un placement qui ne vaut plus rien. Donc, vous l'aviez payé 100 000 vous espériez évidemment qu'ils que, que vous rapporte du rendement et même qu'ils prennent de la valeur, peut-être. Et ce n'est pas ce qui est arrivé. Pout, 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 la compagnie s'effondre et votre placement ne vaut plus rien. Donc, ça, je ne peux rien y changer, c'est l'économie. Donc, c'est clair que vous allez perdre 100 000 Si on suit la logique, vous devriez dire à cette personne-là bien, c'est plate, tu as perdu 100 000 mais au moins, tu vas pouvoir déclarer une perte en capital de 100 000 fois 50 dans ton rapport d'impôt qui ira s'appliquer contre tes gains que tu feras dans tes autres placements. Si tu veux faire une perte en capital, il faut que tu le vendes, ton placement. À qui vas-tu vendre un placement qui ne vaut plus rien dans une compagnie qui est complètement effondrée? Il n'y a pas de marché pour ça. Donc, tu es comme prisonnier, poigné avec ton placement, qui n'a plus aucune valeur. As la, es comme, es comme, la perte en capital est comme à ta portée, mais il te manque juste le geste de vendre ton placement pour pouvoir réaliser ta fameuse perte en capital. Donc, dans ce cas-là, le, le gouvernement dit « c'est vrai, c'est bête, on va faire semblant, fais semblant qu'il y a un acheteur là, qui, te le vend, qui va t'acheter ton placement pour zéro. » Fait qu'on va comme faire semblant de vendre le placement pour zéro et faire semblant de le racheter ensuite pour zéro. Ce qui va nous permettre de, de créer un faux marché, si on veut, qui n'existerait pas, ou on fait semblant qu'il y a un marché qui, pour, qui existe pour nous acheter notre placement à zéro. Autre particularité, j'en dis beaucoup, hein, je, sais pas, je suis sur un élan. Donc, autre particularité, certaines pertes en capital peuvent se qualifier de pertes déductibles au titre de placement d'entreprise. C'est un sujet qu'on a effleuré depuis le tout début, depuis qu'on se connaît, en présumant qu'on a commencé à se connaître la saison passée. Donc, quand, je, quand on était dans le cours de fiscalité 1, dans les premiers sujets, la, la troisième semaine où je vous présentais la structure d'une déclaration de revenus, je vous disais que certaines pertes en capital se qualifiait de perte déductible au titre de placement d'entreprise et mécaniquement je vous disais que ça venait avec une espèce de déplacement donc juste pour montrer là euh, juste pour montrer avec des chiffres c'est pas plus facile ici là donc si j'ai 20 000 de pertes en capital dans mon année admettons deux pertes en capital là, une de 14 puis une de 6, juste pour fin de discussion et que dans les deux pertes en capital qui totalise 20 000, il y en a une qui se qualifie de PDTPE. Mais qu'est-ce qui va arriver dans le rapport d'impôt? Regardez, le 14, je l'enlève. À 3B, il s'enlève il va plutôt aller se déduire ici à 3D. Donc, il va rester à 3B ici, uniquement l'autre perte en capital déductible, celle qui ne se qualifie pas de PDTPE. Et ceci, elle, va devoir s'appliquer contre du gain dans l'année que je n'ai pas. Mais celle qui s'est qualifiée de PDTPE, elle s'est enlevée de 3B pour aller se déduire à 3D. Et qu'est-ce que ça change, ça? Elle est déductible contre toute source de revenus. Donc, c'est vraiment un bel avantage qu'on accorde aux investisseurs quand on leur permet de. quand on leur dit que les, vous allez, vous, on va voir les critères aujourd'hui, mais quand les critères sont satisfaits et qu'un investisseur a la chance de qualifier une PCD de perte déductible au titre de placement d'entreprise avec le déplacement que je suis en train de vous montrer, c'est bien sûr un très grand allègement qu'on accorde aux investisseurs. Donc, en, en d'autres mots, ce qu'on lui dit, c'est qu'au lieu que ta perte en capital normale doivent obligatoirement trouver du gain, ben, ta perte en capital, on peut la déduire contre toute source de revenus. Donc ici, pour quelqu'un qui aurait 45 000 de revenus, à titre d'exemple, de salaire, ben, il passerait sa perte en capital contre du salaire. Imaginez-vous, c'est vraiment là, ça va contre, contre toutes les règles que je vous montre depuis le tout début, hein. Je vous dis qu'une perte en capital, c'est juste utilisable, utilisable contre du gain, mais c'est l'exception. Donc, c'est vraiment un… Allégement. Là, ce n'est pas beaucoup comme chiffre ici. Ce n'est pas une grosse perte, mais imaginez 140 000 ou 1,4 million de pertes que tu peux qualifier de PDTPE puis passer contre tes revenus. C'est majeur pour les investisseurs. Donc, on va explorer cette possibilité-là aujourd'hui. Autre allègement, le report du gain en capital. Donc, c'est une, une autre mesure qui va dans le même sens, mais qui, cette fois-ci, Oui, Voyons, pardon. Donc, euh, oui, ça vise les mêmes investisseurs, mais ceux qui font des gains capital. Donc, si tu, si tu remplis les mêmes critères, mais qu'au lieu de faire une perte en capital, tu fais un gain capital, on va, permettre de, on va te permettre, sous certaines conditions, de ne pas t'imposer sur le gain capital cette année, mais plus tard. Donc, c'est exactement les mêmes critères. Je vais en reparler tout à l'heure. On a beaucoup de temps à passer sur ces sujets-là parce que c'est un sujet important. Transactions de devises étrangères, j'en dis pas plus. Là, on en a parlé la semaine passée. Il faut les convertir, bien sûr. Euh, puis le dernier sujet de la semaine, qui est un autre gros sujet, transfert d'immobilisation à une personne liée. Qu'arrive-t-il si je vends un bien, une immobilisation, un placement, un terrain, une bâtisse, peu importe, à une personne de ma famille, à mon conjoint, à mon enfant, à mon parent? D'accord? Il y a beaucoup de règles concernant ces situations-là, mais si je vous les résume, là puis peut-être que ça va vous toucher un jour c'est parce que peut-être que vous auriez envie d'acheter un bien d'un parent ou quelque chose de genre là. si vous transigez si le prix de transaction que vous choisissez entre dans la pour faire la transaction avec les personnes de votre famille si le prix de transaction que vous choisissez reflète la valeur marchande du bien vous n'aurez aucun problème avec le fisc si vous dérogez à cette règle là vous allez vous mettre dans le trouble solide il y a une série de règles dans la loi de l'impôt qui veulent pas juste décourager, j'allais dire décourager, pénaliser les gens qui choisissent volontairement ou non, en connaissance de cause, de façon tout à fait ignorante, quelqu'un qui, qui fait une transaction avec un membre de sa famille et que le prix de transaction ne reflète pas la valeur marchande, il y a des, il y a des conséquences fiscales coûteuses. Donc, ça va, il va y avoir une situation, ça, on va le voir aujourd'hui. Donc, on va tout explorer ces règles-là. Qu'arrive-t-il qu si je trans transige avec mon conjoint avec des exemples. Qu'arrive-t-il si je transis avec une, perso une personne autre que mon conjoint, donc un enfant, un parent? On va voir des différents exemples de ça. Voilà. Donc, je vous laisse regarder ça par vous-même. J'ai mis un petit peu euh, l'eau à la bouche, peut-être. Peut-être pas non plus. Donc, allons chercher le problème ensemble. Euh, je n'ai même pas téléchargé, je me rends compte. Donc, section documents. Le problème est ici. Donc, c'est un problème, j'ai du coup dit inédit. Ça ne change rien qui soit inédit. Donc, on a un monsieur, un gars, qui la, la semaine passée, on avait une madame qui s'appelait... Euh, je me rappelle le nom de la madame la semaine passée, non? Peu importe. Là, on faisait un rapport d'impôt d'une dame qui nous demandait de calculer son revenu fiscal. Donc, là, c'est la même chose, mais c'est un monsieur. Donc, il va falloir mettre toutes ses sources de revenus dans la partie bleue, le, compléter tout, toute sa partie bleue au complet ici. Mais bien sûr... Euh, on va s'attarder euh, beaucoup plus aux, aux, aux transactions. Donc, vous voyez que ce gars-là a des actions dans une petite compagnie privée qui s'appelle Max Incorporé. C'est fameux, le fameux Sportomax de l'étude de cas partie 1, partie 2, mais ça, le lien n'est pas important du tout, là, mais c'est juste pour rester un peu dans le, dans, le même, dans le même jargon, dans le même, euh, je dire, plutôt dans le même euh, environnement. Donc, euh, le gars, il est propriétaire d'actions d'une compagnie privée. Il les a vendues pour 2 millions. Donc, vous avez toute l'information requise pour faire euh, le bon calcul pour lui. Il a vendu une voiture à son fils. Donc, euh, il y avait une Passat. Euh, non, il a acheté une, une Passat, pardon, puis il a vendu la Honda, la Honda, la Honda Accord à son fils pour 3 000 Je ne sais pas pour vous, là, mais si vous avez un parent, on ne parle pas de fiscalité, là, on parle juste de comment ça se passe dans la vraie vie. Je ne sais pas pour vous, mais si vous avez un parent qui a une Honda Civic, un parent riche, là, qui, qui, qui est aisé, qui, qui, qui financièrement n'a pas besoin d'argent, puis admettons que vous, jeune étudiant, vous êtes assez serré financièrement, puis que vous, votre papa vous aime de tout son, son cœur, évidemment, là. je ne sais pas s'il si vous demanderait vraiment 14 000 je ne sais pas si vraiment votre père aurait, oserait ou aurait la capacité émotive de, de, à sa petite fille adorée de lui dire Écoute, ma fille, on va regarder combien elle vaut, la voiture. On va aller voir dans le journal, on va aller voir des comparables. Puis la voiture vaut 14 000, tu me fais un chèque de 14 000. Pas sûr que dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Donc le père, souvent, va dire Je n'ai pas besoin d'argent, c'est ma fille, je t'aime, tu es, es aux études, je vais te la vendre pour 3 000. Ben, voilà, il est tombé dans le piège parce qu'au niveau fiscal, il va y avoir des conséquences malheureuses à cette situation-là. Vous allez, allez les découvrir. Il a vendu un château Mont saint anne et il détient aussi une autre résidence. Donc vous allez devoir optimiser la situation. Quelques transa quatre transactions en bourse, des actions, euh, des actions, vente d'actions ici. Ensuite deuxième transaction des actions en devis, des actions pardon, en dollars américains, euh, vente de d'autres encore d'actions. Puis finalement il y a une vente d'obligations. Et, et finalement, qu qu on a? ensuite, on apprend qu'il a aussi un autre placement dans une autre petite compagnie privée. Le placement ne vaut plus rien. Donc, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Il a vendu quelques objets de collection. Et dernière chose, il a un immeuble locatif. Il est propriétaire d'un immeuble locatif, six logements. Et dans l'année, il a décidé qu'il le donnerait à sa conjointe. Donc, quel impact ça a ça, dans un rapport d'impôt quand tu fais le choix de donner un bien à, à, votre, à, sa, à sa conjointe? Donc, c'est ce qu'on va découvrir. C'est bon? Je vous laisse commencer. On, comme vous savez, on va découper le problème en deux. Donc, prenez, euh, commencez à regarder ça un petit peu. Je vais vous guider là, dans l'ordre dans des choses. Donc, on va, se rendre, on va vraiment essayer d'abattre ce problème-là au complet, de résoudre ce problème-là au complet dans notre journée. On, on va y arriver, il n'y a pas de problème. Bon travail, tout le monde. OK, alors on, regarde, je vais regarder, on va regarder la solution ensemble. De l'avoir accès tout à l'heure euh, à trois heures là, quand j'aurais terminé avec le deuxième, comme, avec, avec le deuxième groupe. Euh, comme je vous ai dit. Alors, euh, juste, ça c'est les chiffres finaux. Ce n'est pas tant les chiffres finaux qui m'importent, juste que vous remarquez la structure, donc la, la, un calcul de revenu fiscal, là, toute la partie bleue, justement, de, quand on utilise des couleurs, la première partie ici. C'est là qu'on met tous les revenus de toutes les sources possibles gagnées par une personne, mis à part les gains capital, bien sûr, euh, parce que c'est la deuxième partie. On reconnaît qu'il y a comme quatre grandes boîtes symbolisées par des couleurs différentes. On en avait parlé la semaine passée. Donc ici, on met tous les gains capital réalisés dans l'année, mis à part ceux sur biens meubles déterminés, parce qu'on les met ici. La deuxième boîte, c'est justement d'isoler les gains et les pertes sur biens meubles déterminés pour voir s'il y euh, a, pour faire en sorte que les pertes en capital Réalisé sur la vente de biens immeubles meubles déterminés s'applique juste contre des gains de même nature et n'allez pas s'appliquer contre les autres gains. Donc, euh, ces deux boîtes-là. Au niveau des pertes, on met toutes les pertes dans la boîte rose et dans un dernier temps, on retranche parmi les 23 000 qui sont ici. Est-ce qu'il y en a qui se qualifient parmi les 23 000 de pertes qui sont ici de PDTPE? On va le voir après la pause. Dans la deuxième partie du travail, la réponse est qu'il y en a 15 000. Donc, on enlève un 15 000. 23 moins 15, il y en reste juste 8. Et le 15 qu'on a enlevé, c'est pour venir le déduire ici, ailleurs, plus bas dans la structure du revenu. Et plus précisément, ce 15 000 $-là s'applique contre toutes sources de revenus, plutôt qu'à être prisonnier de s'appliquer seulement contre des gains en capital imposés. Donc, c'est un peu ça. Donc, votre premier chiffre que je vous demandais de trouver, c'était ici, le fameux 176 000 quelque chose. Donc, le revenu d'emploi euh, ainsi que le revenu de biens. Attention aux dividendes qu'il faut majorer. Donc, quand un particulier reçoit un dividende déterminé, il faut de 49 000, c'est fois 1,38 qu'il faut inclure. Donc, c'est comme ça que vous arriviez à votre 176 là, ici. 620. C'est bon? M'arrêter sur des questions. Euh, au niveau de la résidence principale, vous voyez tranquillement. Ben, juste vous dire qu'il n'y avait aucune nouveauté. C'est tous des thèmes qu'on a vus la semaine passée. Donc, euh, tant mieux, là, ça fait un peu plus de pratique. Mais je n'irai pas dans le volume vous montrer les, les, les théories euh, correspondantes. On les a toutes vues la semaine passée. Pardon. Je vais y aller un petit peu plus rondement. Je pense, je, je me suis rendu compte que je n'avais pas mis à, à jour mon fichier solution dans mes années. J'espère que je ne me suis pas trop. Je viens de le faire. Là. Puis, je, je vais aller le corriger, bien sûr, dans le fichier euh, que je, je vais redéposer sur le portail de cours, la solution avant trois heures, corrigée, bien sûr. Mais, en tout cas, alors, regardons ensemble, là. Quand J'allais faire mon dessin justement ici. Le chalet, il a été euh, vendu en 2021. Le chalet, il avait été acquis en, il manque une, en 2014. Hein? Ici. C'est juste pour vous. Les, les, les lignes de temps, ça fait juste vous visualiser la fameuse double détention. C'est quand tu dis que pendant un certain nombre d'années comme ça, l'autre résidence, on l'a acquis il y a longtemps, 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 longtemps puis on ne la vend même pas. Donc, vous voyez bien que pendant cette période-là ici, notre contribuable est en double propriété. Donc, pendant un certain nombre d'années, il a à la fois la maison et le chalet. Donc, ceci, je vais vous juste vous illustrer le chalet. Donc, chalet vendu en 2021 et acheté en 2014. Ça me 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Puis l'autre maison achetée avant, puis même pas encore vendue. Donc, euh, il, est en double, il est en double détention, mais pas pour tout le temps. Il pourrait juste pour les huit années où il a détenu le chalet. Donc, dans ce temps-là, ça nous demande d'optimiser. Pour optimiser, pour, pour avoir la meilleure exemption possible, il faut prioriser la résidence qui, qui indique, qui indique pardon, le meilleur indice. L'indice que l'on cherche, c'est le gain en capital par année de détention. Donc, si je fais ce calcul-là pour ma maison, pardon, pour mon chalet en premier, le chalet, je le vends 130 000, je l'avais payé 75, donc je fais un gain de 55. Et le chalet, je l'ai détenu pendant 8 ans. Je l'ai acquis en 2014 et on est en 2021. Donc, on dit... juste un petit truc, là, ça, des fois, on dirait que c'est 7 ans, mais il faut que c'est huit ans parce que tu comptes et l'année 2021 et l'année 2014. Donc, comme tu comptes les deux bouts, ça donne 8 ans. Fais-le sur tes doigts, ce n'était pas sûr. Là, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 8 ans. C'est bon? Donc, ce fameux euh, 55 000 divisé par 8, j'ai-tu bien changé ma formule? Comme je vous dis, il vient de me rendre compte tantôt que ça donne ce, ça. Quelqu'un peut confirmer? Oui, Nicolas, j'arrive comme toi. Non? Yes. Pour la maison, on fait la même chose. La maison. S'il la vendait, quel gain il ferait C'est un peu ça qu'on cherche. Hein? C'est un calcul un peu approximatif. On n'a pas besoin de précision. On est juste dans le à peu près pour trouver quel indice est à prioriser. Donc, euh, s'il sa, sa maison, s'il la vendait, là, on apprend que l'évaluation municipale est de 260 000. Mais quand tu vends des maisons, souvent tu vends plus cher que l'évaluation municipale. Même, le, on apprend dans, que c'est à peu près 25 de plus. Donc, ça veut dire qu'il pourrait vendre sa maison à peu près. Là, euh, je ne vais pas le chiffre en 260 000 fois 1,25. Il a payé 200. Donc, sur sa maison, il a un gain potentiel de 125 000. La maison acquise en 2002, c'est bien ça? Merci de confirmer. Donc, ça veut dire euh, 20 ans de détention. Donc, de 2002 ici jusqu'à cette, euh, cette année, puis il n'a même pas vendu encore. Là. Donc, minimum, au minimum, euh, on a 20 ans de propriété. Donc, le fameux indice, je l'ai-tu corrigé? ça donne 6 250. Tout le monde arrive comme moi? Donc, on priorise le chalet. C'est juste ça. L'indice, ça sert juste à ça. Ça fait juste me dire laquelle résidence on va prioriser. Donc, compte tenu de cette conclusion-là, on va exempter complètement le gain capital sur le chalet. Donc, notre chalet a un gain de 55 000. L'exemption, c'est une formule qui est dans le livre. Une fraction de 55 000 au dénominateur, nombre d'années où tu es propriétaire du chalet, 8 ans, 2014 à 2021. Au numérateur, tu as une année gratuite. Donc, tu n'as pas besoin de désigner 8 ans le chalet comme étant ta résidence principale. Une, une désignation de sept années suffit, compte tenu que tu as une année gratuite. Donc, pour les huit années, je vais te demander. Euh, laquelle j'ai laissé, la, laissé tomber? Je n'ai la... pas pris 2014. Ouais. Donc, moi, dans le fond, pour 2021. Je vais te poser huit fois la même question. Là. On parle à Gaston Gaulin. Gaston Gaulin, en 2021, laquelle est ta résidence principale? Tu me réponds chalet, excellent. 2020, laquelle est ta résidence principale? Tu me réponds chalet, parfait. En 2019, même chose. Il va me dire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, sauf la dernière. Celle-là, je n'en ai pas besoin. Donc, j'ai besoin de dire oui finalement sept fois. Donc, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je, pour 2021, de 2015 pardon, à 2021 inclusivement, donc pour ces sept années-là, je désigne le chalet comme étant ma résidence principale. Ce qui me donne un numérateur de 8, 8 sur 8, pleine extension. C'est à ce que je voulais arriver. C'est le scénario optimal. Tantôt, quand on va vendre la maison, ici, là et qu'on va faire le même calcul pour la maison. En 2021, est-ce qu'il va pouvoir dire que c'est la maison et sa résidence principale? Non. Il a répondu chalet. Ici, est-ce qu'il va pouvoir dire que c'est la maison? Non. Il a répondu chalet. Et ainsi de suite. En 2014, est-ce qu'il va pouvoir dire que sa maison est sa résidence principale? Oui, parce qu'on ne l'a pas pris. Donc, il va rester quelques années de désignation disponible sur la maison. Il ne pourra pas l'exenter au complet, le gain sur la maison, c'est entendu, on le sait. Mais c'est quand même le scénario optimal. L'inverse aurait été catastrophique, aurait été ben, Pas tant que ça, les indices n'ont pas des grosses différences. Là, mais l'inverse, prioriser la maison au détriment du chalet, ça n'aurait pas été mieux. Des questions là-dessus C'est la deuxième fois qu'on le traite déjà. C'est bon de, de se pratiquer. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre à traiter euh, Les placements boursiers. On en avait deux, qui nous, deux pour lesquels on avait des gains en capital. Donc, je vous rappelle qu'on a des frais de courtage de 15 dollars en dollars canadiens pour chaque vente, pour chaque achat. Je vous rappelle que les, les, le 15 dollars de, de frais reliés à la disposition, je le mets ici. C'est la bonne façon de faire. Alors que le 15 dollars de frais reliés à l'achat, je l'inclus dans le PBR. Mais la finalité est la même quand même. Il faut retrancher deux fois 15 dollars dans notre calcul de gain capital. Donc, ça, c'est assez standard comme calcul. Panachéen, Pan le, le défi c'était que j'en avais acheté des Panocean. J'en avais acheté un, deux blocs, hein, je pense. Donc, j'en avais acheté un bloc de 250 Je vais vous montrer l'énoncé ici. Donc, Panocean, j'en ai, ai 500 dans mon portefeuille, finalement. 250 achetés à un certain prix. 250 autres achetés à un autre prix. Donc, j'ai 500 actions. La moitié payait un prix. L'autre moitié payait un autre prix. Cette année, j'en vends 300. Lesquels je viens de vendre parmi ces 500 que je détiens Je vous ai posé la même question, c'est une passée, je le sais, là, mais c'est cet enjeu-là, -là, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai le choix Est-ce que c'est moi qui vais aller piger dans mon portefeuille celle que je veux considérer avoir été vendue Non. Donc, ce n'est pas un choix, ce n'est pas les, les premiers entrées, premiers sorties, c'est une moyenne. Donc, il faut calculer le PBR moyen, le coût moyen pour l'ensemble de mes 500 actions. C'est ce que je fais dans la solution. Donc, 1470, premier, premier achat avec des frais de courtage, deuxième achat avec des frais de courtage, je divise ça par 500, ça me donne un coût moyen de 4,94. En réalité, là, pour vrai, aucune action a été achetée 4 et 94. Aucune. C'est une moyenne. Certaines ont été achetées plus, d'autres moins. Mais on travaille avec la moyenne. Donc, j'en vends cette année 300. Avec ce, un coût moyen de 4,94 c'est ce qui me donne un 1482 de PBR vendu. Est-ce qu'il y a des questions pour cette transaction-là? Je vais aller faire, Oui, euh, rappelle-moi ton prénom. Je plus, Alexandre, oui. Ben, arrives tu arrives-tu à ce chiffre-là? Il ben, faut que tu arrives à ce chiffre-là. Ah, un dollar près. Oh, ça c'est juste l'arrondissement, c'est correct, c'est correct. Merci, Alexandre. Autre chose On va aller voir les autres transactions boursières tant qu'on est là-dedans. Il y en a les deux autres sont un petit peu plus basses parce que sont dans la, sont dans une autre boîte, une autre couleur parce que dans les deux autres cas, on a fait des pertes. Ils n'ont pas des gains. Donc. Euh, J'ai des obligations ici de NBIS euh, Tech. Donc, je les, les obligations, je les ai gardées jusqu'à échéance. Donc, l'émetteur m'a remis le 15 000. Quoi, je les ai vendues 15 000. Et je les avais payées euh, 15 540. Donc, je vais faire une petite perte en, une petite perte en capital en vendant ces obligations-là. C'est bien ça, hein? c'est des obligations NBIS. Euh, ouais, oui, c'est ça. Donc, comprenez que l'investisseur le savait. Monsieur. Euh, comment il s'appelle? Ouais, je parle à mémoire aujourd'hui, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai. Gaston Gaulin. Monsieur Gaulin, il a acheté des obligations 103 en sachant très, très bien qu'à l'échéance, l'émetteur allait lui remettre 100. Il savait. On a parlé la semaine passée. Financièrement, pourquoi il a fait ça? Pourquoi quelqu'un achèterait des obligations 103 en sachant très bien qu'à l'échéance, il va encaisser seulement 100? pour les taux d'intérêt. Donc, possiblement que cette obligation-là a un taux d'intérêt annoncé ou écrit supérieur au taux du marché. Donc, quand tu es un investisseur qui a 100 pièces disponibles aujourd'hui, tu peux aller t'acheter un placement, par exemple, qui rapporte du 3% sur le marché actuellement ou aller acheter oblig une obligation de quel que, que quelqu'un détient pour lequel ça rapporte du 10% d'intérêt. Donc, si tu veux faire plus d'intérêt que le marché offre en ce moment, il faut que tu payes une prime pour ça. Donc, tu vas payer l'obligation un peu plus chère, 103 piastres. Ton pari est le suivant. Moi, pendant la, la durée où je détiens l'obligation, je vais faire un peu plus d'intérêt que, que, que si j'avais fait un autre placement. Mais en contrepartie, je vais perdre 3 piastres par obligation quand je vais les vendre. Fait que tu fais ton calcul. Puis, ça se peut que des fois, tu juges que ce soit intéressant, intérêt, intéressant, oui, je dis bien, de, de faire plus d'intérêt et euh, une perte en capital à la fin. Vous avez beaucoup d'étudiants en finance dans la classe. Il existe l'inverse. Hein? On peut acheter des actions en bas de 100 Donc, là, on fait très peu d'intérêt, hein? moins que le marché, mais en contrepartie, on va faire un petit gain quand on va les revendre. Fiscalement, qu'est-ce qui est le mieux, d'après vous, entre les deux scénarios? On jase pour jaser, là. Est-ce qu'un investisseur averti est euh, indifférent entre les deux scénarios, un peu plus d'intérêt avec une perte en capital ou un peu moins d'intérêt avec un gain capital? Y a-t-il une source de revenu qui est plus imposée que les autres dans le système fiscal? L'intérêt, c'est plus imposé que le gain capital. Donc, c'est sûr que fiscalement, tu peut-être mieux de, faire, de prendre l'autre choix, de faire euh, un peu moins d'intérêt et faire du gain capital à la place. Parce que le gain capital que tu vas faire à la place, il y a juste la moitié qui va être imposée. Alors qu'ici, faire beaucoup d'intérêt, qui va être imposable au complet, compensé par une perte en capital qui va être déductible seulement à 50 ben, Peut-être qu'il a fait ses calculs, là, mais vous comprenez que pas, fiscalement, ce n'est pas miroir cette situation-là. Il, 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 il y a des scénarios qui semblent plus avantageux que d'autres. C'est le genre de réflexion que, comme gars et fille de finance, vous pouvez avoir, là, commencer à regarder. Finalement, notre, notre dernière transaction, c'est simplement qu'il fallait la convertir en dollars euh, américains. Donc, j'ai fait une transaction à 8 550 US. Donc, une fois converti, ça m'a coûté 11 400 en dollars canadiens. Mon coût était 13 000 US, converti 17 000. Donc, une perte de 3 086 sur la transaction euh, en devises étrangères. Toujours pas de questions là-dessus? Parfait. On, on finit avec euh, euh, la vente de la Honda Accord. Donc. Euh, Monsieur Gaulin, oui, il a vendu sa vieille Honda Accord à son fils. D'accord? Il lui a vendu, cet Accord-là, il l'avait payé euh, 24 000 à l'époque. Il a vendu la voiture 3 000 à son fils. Ben, dans le rapport d'impôt ici, même ben, pour vrai, on ne l'écrirait pas dans le rapport d'impôt parce que ça donne zéro, mais fiscalement, ce n'est pas une vente à 3 000, ça. Pour M. Gaulin, fiscalement, il faut faire semblant qu'il a vendu ce bien-là à la juste valeur marchande. Donc, il faut faire, même si ce n'est pas vrai, il faut faire semblant qu'il a vendu la voiture à son fils 14 000 Ça ne change rien, vous allez me dire, qu'on mette 3 ou qu'on mette 14 ici, ça fait une perte, puis ça donnerait le même résultat quand même. Parce que je vous rappelle que c'est un bien usage personnel. Hein. La voiture, elle n'a aucun usage commercial, c'est un usage personnel. Donc, un, on met ça à nulle part, c'est réputé nul, hein, une perte réalisée sur un BUP. Mais dans d'autres circonstances, cet ajustement-là serait très important. OK donc, euh, je vais en reparler de ce sujet-là. Je n'irai pas trop loin tout de suite volontairement, mais je peux juste vous dire que M. Gaulin, il est tombé dans le piège. Il pas tombé dans le piège, mais il s'est fait prendre. Parce qu'il n'a pas osé faire, il n'a pas osé faire cette vente-là au prix de transaction qui reflète la valeur marchande. Il n'a pas osé vendre la voiture 14 000 à son fils pour différentes raisons. Et euh, malheureusement, pour lui, il va être pénalisé. Ici, ce n'est pas trop pénalisant parce qu'on n'est pas dans une situation de gain. Là. On en reparlera tout à l'heure, mais il est. Il est ces règles-là sont très sévères et euh, veulent que les gens transigent à la juste valeur marchande lorsqu'ils transigent avec des membres de leur famille. Je vais en reparler tout à l'heure. Je vais peut-être juste vous montrer vite, vite là, où, on a, où on retrouvait ça dans le volume, ces règles-là. C'est la toute fin du sujet 4, mais je me garde du temps tantôt pour vous en parler. Euh, 4.10. Je euh, cherche mon crayon. Ici. Donc, quand on fait une transaction avec le conjoint ou avec une personne autre que notre conjoint, les règles ne sont pas les mêmes. Donc, une transaction avec le fils, ce n'est pas ça ici, c'est ça. Donc, donc, une transaction avec un fils, avec un, une personne liée autre que le conjoint, le gouvernement veut qu'un prix, un, qu un prix de transaction reflète la valeur marchande. Puis si ce n'est pas le cas, il va y avoir un ajustement, comme on vient de le faire. Donc, on va le voir dans les pages qui suivent. Là. 4, 10, 2 ici. Donc, qu'est-ce qui arrive si, pour vrai, tu transiges à un prix plus cher que la valeur marchande? Qu'est-ce qui arrive, pour vrai, si tu transiges à un prix inférieur à la juste valeur marchande? Qu'est-ce qui arrive, pour vrai, si tu donnes un bien à, à une personne liée autre que ton conjoint? Donner, là, c'est vraiment avec aucune contrepartie. Donc, dépendamment dans quel scénario tu te retrouves, les, conseils, les règles à appliquer sont ici. Parce que vous voyez dans lesquels des trois scénarios se retrouve monsieur qui vendait un fils à sa voiture, un, une voiture à son fils, pas un fils à sa voiture, ici, hein, il a vendu en bas la valeur marchande. Donc, les règles qui s'appliquent sont les suivantes. Pour le vendeur, on fait semblant qu'il vend la juste valeur marchande. Donc, c'est pourquoi Monsieur Gaulin on lui a mis un, un prix de vente fictif à 14 000, même si pour vrai, il a vendu 3 000. Son fils, pour, on ne voit pas le rapport d'impôt de son fils. Pour lui, aucun ajustement. On en reparlera tout à l'heure. Donc, le fait qu'on n'ajuste pas le fils, ça va créer de la double imposition. On en reparlera tout à l'heure. Euh, OK. Puis, il restait la dernière transaction. Donc, le fameux, le, le, le pourquoi de la valeur marchande ici, là. pourquoi on a fait un redressement à la valeur marchande, c'est supporté par la page que je viens de vous montrer. Dernière chose, on avait une vente d'un tableau de collection qui est un fameux bien-meuble déterminé. Donc, on, ici, à perte, donc une perte de 750 Je vous rappelle que malheureusement, cette perte-là ne peut pas s'appliquer contre les gains qui sont ici. Une perte bleue, dans, les, dans la section bleue, ne peut que s'appliquer contre du gain que l'on mettrait dans la même partie bleue. Donc, ça prendrait du gain dans cette partie-là pour, pour pouvoir utiliser le 750 donc, cette année, le 750 n'est pas utilisable pour la raison que je viens de vous dire. Cependant, il est reportable. Je vous l'avais aussi dit la semaine passée. Donc, on a 10 années d'imposition. On a 10 rapports d'impôts où on peut aller trouver des gains capital sur biens meubles déterminés et appliquer cette 750 $-là à l'encontre. Donc, on peut réouvrir le rapport d'impôt de 2020, 2019 ou 2018. Donc, un rapport moins 3 ans on peut réouvrir ces rapports d'impôt-là déjà faits. Et si on y trouve des gains sur BMD, on pourra aller appliquer la perte en encombre. Ou sinon, on peut la garder pour 7 ans. Donc, on est en 2021. Jusqu'en 2028, si on fait des gains sur BMD, dans le futur, on pourrait appliquer le 750 Donc, moins 3 plus 7, c'est un horizon de 10 ans où on peut reporter le, cette fameuse perte. Toujours pas de questions, j'imagine Prenons la pause alors. Je reste disponible si vous voulez me poser des questions. On prend une quinzaine de minutes et on s'attaque à des sujets un peu plus, euh, un peu plus importants, ou, en tout cas, plus nouveaux, après, au retour de la pause. Donc, s'il vous plaît, une quinzaine de minutes, je vais recommencer vers 5. À tantôt. Euh, je ne les ferai pas dans l'ordre. Je, je, je vais y aller du plus simple. Oh. J'ai ma stratégie. Alors, euh, regardez les derniers éléments qu'il fallait traiter. Il y avait une vente d'actions ordinaires de sport au Max pour lequel, on, en finalité, on avait 80 000 de gains de capital imposables. Euh, la partie... Le, le, la chose qu'il ne fallait pas oublier euh, dans ce calcul-là, c'est de prendre la provision pour gain capital. Je vous en parlais la semaine passée. Quand tu, quand tu vends un bien puis que c'est entendu avec l'acheteur qu'il ne te remette que tu n'encaisseras pas la totalité du produit de disposition, dans ce cas-ci, le 2 millions au complet, ça serait bête qu'on t'impose sur la totalité du gain capital, sachant que dans ce cas-ci, tu avais encaissé euh, 200 000. Ce n'est pas beaucoup, hein, on encaisse 200 000 seulement. Ce serait possiblement même pas suffisant pour payer l'impôt si cette règle-là n'existait pas. Donc, c'est logique qu'on reporte une partie du gain capital proportionnellement à la partie du prix de vente qui est encore euh, non reçue ou à recevoir. Donc, euh, dans le volume, re, je ne retournerai pas vous la montrer, on l'a vu la semaine passée, la provision pour gain capital, c'est le moindre de deux choses, le moindre de deux chiffres. Premier chiffre, c'est une règle de trois. Je prends mon gain capital ici de 1,8, pardon, de 800 000. J'y allais à l'œil, 2 millions moins 1,2. Donc, le fameux gain ici, 800 000 de gain capital fois une fraction. Au dénominateur, ton, prix, ton produit de disposition total. Et au numérateur, combien il te reste encore à recevoir à la fin de l'année? Donc, si j'ai encaissé juste 200 000, il me reste donc 1,8 à recevoir. Donc, c'est mon premier chiffre. Le deuxième chiffre, c'est 4/5 de mon gain capital. C'est fixe, la fraction 4/5, c'est toujours comme ça la première année. Donc, 640 000. Donc, le plus petit entre 640 et 720, c'est le 640. Donc, c'est comme si j'abaissais de 640 000 mon calcul de gain capital. C'est ce qui fait que je finis avec un, un, un GCI beaucoup plus petit. Est-ce il y a des questions par rapport à ça. Je vous rappelle aussi, dernière chose, là, on ne le voit pas, mais je vous rappelle que si on se transposait un an plus tard et qu'on regardait la déclaration de revenus de Gaston Gaulin l'année prochaine, qu'est-ce qui apparaîtrait? Dans, automatiquement dans sa déclaration de revenus de l'année prochaine. Vous ne vous souvenez pas? Plus 640. Ce moins 640-là, il ne disparaît pas. Il est juste reporté. Donc, le moins 640 qu'on enlève cette année va devenir un plus 640 l'année prochaine. Puis M. Gaulin va devoir s'imposer dessus l'année prochaine ou reprendre une nouvelle provision. Et ainsi de suite. On dirait que je n'ai jamais compté ça. oui, oh, on l'avait vu, cet ça sur cinq ans l'année passée. Là. OK. Euh, ensuite, euh, on va regarder la. Je vais finir par les dons. Là. Donc, la, la vente des. Euh, des euh, Entretien MB, oui. Donc, ben, là, il y avait. Dans, on, M. Gaulin a fait deux investissements dans une compagnie qui s'appelle Entretien MB. Euh, un investissement en actions privilégiées, puis un autre investissement en créance. Pour ce qui est de. Donc, il faut les traiter différemment, ces deux-là. C'est deux choses distinctes. Premièrement, pour ce qui est de. Les, des actions privilégiées d'entretien MB, il les a vendues 10 000 cette année, il les avait payées 10 000. C'est assez, assez simple comme calcul à faire, il n'y a rien de particulier là-dessus. Ce qui est plus intéressant, c'est au niveau de la créance. On apprend dans l'énoncé qu'il a prêté 40 000 à la compagnie. Donc, c'est un pla, un ce qu'on appelle un, place, un, un placement en créance, sous forme de créance. C'est un prêt de 40 000 puis j'imagine qu'entretien MB lui a dit euh, Je vais te payer un certain taux d'intérêt, puis éventuellement, je vais te rembourser. Et finalement, ça n'a pas tourné comme prévu. Pout, 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 pout. Finalement, entretien MB dit à Gaston Gaulin Ton 40 000, je te leur donnerai jamais. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est clair qu'il va perdre 40 000 dans cette, dans cette aventure-là. Je ne peux rien y changer. D'accord? Donc, concrètement, donc, normalement, on, cette personne-là devrait au moins, euh, comme moindre mal, déclarer une perte en capital dans son rapport d'impôt. Puis, ce que je vous disais, le problème tout à l'heure, c'est que pour vrai, là, il ne vendra jamais ce placement-là. Pour faire une perte en capital, il faut disposer de son placement. Donc, heureusement, il y a un choix qui dit quand tu te ramasses dans cette espèce de cul-de-sac-là, où tu as un placement qui n'a plus aucune valeur et tu n'es même pas capable de le vendre, bien, fais semblant que tu le vends pour zéro. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On fait semblant de vendre le placement pour zéro. C'est ce qui nous permet de faire la perte en capital de 20 000 là, une fois fractionnée par 50 Je vais juste prendre une petite minute à aller vous montrer cette notion-là dans le volume. Donc, euh, à la page 212 du volume, la particularité 4.4. Donc, euh, il y a deux possibilités. Il y a deux, de ce choix-là finalement, où c c ouais, faire semblant de vendre pour zéro, tu peux le faire euh, sur deux types de placements, un placement en créance ou un placement en action. Il y a des conditions, mais ce n'est pas compliqué. Là. Pour un placement en créance, il suffit que tu juges que ta créance est irrécouvrable. Donc, si tu as prêté de l'argent à une compagnie et toi, l'investisseur, tu te dis, hmm, d'après moi, ils ne me rembourseront pas. C'est suffisant. Tu peux faire semblant de vendre pour zéro parce que tu juges que tu ne seras pas payé. Et pour quelqu'un qui aurait un placement en action, c'est un petit peu plus sévère, les conditions. Il faut que la compagnie soit en mauvaise santé financière et que la valeur marchande, la marchande de, de l'action soit nulle. Donc, dans, dans, ça, on ne l'a pas vécu. Cette situation-là, avec le code d'aujourd'hui de Gaston Gaulin, Gaston Gaulin n'a pas fait ce choix-là sur un placement en action. Il a fait le choix sur un placement en créance. Faut vous vous rappelez? Pour un placement en créance, c'est bien simple. Il faut, juge, il faut que tu juges que la créance était recouvrable. C'est ce que M. Gaulin a fait. Pour des placements en action, ça ne s'appliquait pas dans le code d'aujourd'hui. Les conditions sont un petit peu plus... Euh, on est un petit peu plus, euh, ré, ré, un peu, diffé peu différente, disons-le disons comme ça. Et l'effet du choix, faire sans, on fait, donc on fait semblant qu'on vend pour zéro et on fait semblant qu'on rachète pour zéro. Vous pouvez regarder, il y a quelques exemples dans le volume ici. Là, il y a quatre situations où quelqu'un fait un placement en action ici. Ici, c'est un prêt. Ici, c'est des actions. Ici, c'est des obligations. Donc ça, c'est des… Ben, je crois changer de couleur. Bon, peu importe. Ça, c'est des placements en créance. Ça, c'est des placements en action. Des fois, le choix est possible, des fois, le choix n'est pas possible parce que, dépendamment si les conditions sont rencontrées ou pas. Vous pourrez le regarder par vous-même, d'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur euh, ce, ce choix-là? Ça, c'est très fréquent. Là. Si un jour, vous avez un ami qui dit Hey, j'ai fait un placement risqué, dans une compagnie, c'était risqué, j'espérais faire un gros profit, put, 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 la, la petite un start-up, disons, ça n'a pas levé pendant tout, puis j'ai tout perdu. <laughs> Il faut juste vous dire en tête, OK. On va au moins faire semblant de vendre le placement pour zéro, c'est tu sais, lui donner ce conseil-là. Pas compliqué, là. pas besoin de, faire des, de, de remplir de formulaires ou de contacter le gouvernement. On fait juste faire ce choix-là nous-mêmes dans notre déclaration, dans notre propre déclaration de revenus. C'est très fréquent. Malheureusement, il y a des gens qui sera morts, qui font des placements risqués puis pour qui ça ne tourne pas comme ils le souhaitent. OK. Autre euh, sujet maintenant, c'était. <coughs> La dernière partie de, de la solution, là, tout à l'heure, la dernière ligne, je vous demandais quelle perte en capital se qualifie de PDTPE. On en avait pour un montant de 15 000. D'accord? Je vais aller vous montrer ça, mais juste avant, juste que vous compreniez comment ça marche, dans le fond, je vais peut-être vous le montrer ici. Là. Le, le, le dernier sujet que je veux voir avec vous là, avant de passer aux transactions de personnes liées, c'est l'idée ici-là. Ce qu'on cherche à, à déterminer, c'est dans l'ensemble des pertes qui sont ici, est-ce qu'il y en a qui se qualifient de PDTPE ou pas? Si vous répondez oui, dans, dans, exem dans notre exemple d'aujourd'hui, sur 23 000 de pertes, il y en a 15 000 qui se qualifient de PDTPE. Donc, on les enlève, on les déplace là, et conséquemment, il reste juste 8 de pertes normales après ce déplacement-là. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, si je, si je prends le problème, là, J'en ai fait combien de pertes en capital cette année? Comptez-les avec moi. laisse ben, laissez faire l'immeuble, parce qu'il n'y a pas de pertes en capital sur l'immeuble. Donc, il y en a trois. Un, deux, trois. Parce que tantôt, là, un étudiant, tu sais, tantôt, quelqu'un pourrait me dire Oui, mais dans l'énoncé, où c'était écrit que M. Gaulin a fait des pertes en capital si c'était le de PDTPE? Ça ne sera pas écrit, là. Le client ne te chuchotera pas dans l'oreille, hey, vérifie donc si ma perte en capital se, qualifiera de, se qualifierait de PDTPE. C'est toi qui dois prendre le réflexe à partir de cette semaine de le vérifier pour toutes les pertes en capital. Donc, à chaque fois que tu fais une perte en capital, vérifie est-ce que tu es capable de la transformer en PDTPE ou pas C'est clairement avantageux pour le contribuable. Donc, finalement, ici, on va se poser la question trois fois. Pour chacune des pertes qu'elle a, est-ce qu'elle se qualifie de PDTPE? Ben, on quand y aller, ça va aller vite. Là. Pour une Honda Accord, non, c'est sûr que non. Il faut, les, il faut vendre des actions dans une compagnie. Pour des placements boursiers, posons-nous la question les pertes que j'ai faites sur NBTS puis Bema ici, est-ce qu'on ne pourrait pas les qualifier de PDTPE? On va aller voir les critères tout à l'heure, mais c'est malheureusement non, parce qu'il faut vendre des actions de sociétés privées. Il, il faut avoir fait un investissement dans une compagnie privée. Ça, c'est des compagnies publiques. Quand tes actions sont en bourse, tu public. Quand tes actions ne sont pas en bourse, tu privé. Donc, à cause de ce critère-là, ça ne se qualifiera pas. Dernière, dernière, dernière chance. Est-ce que la, la, la perte, est-ce que l'investissement dans entretien MB entretien MB se qualifie en plus de société exploitant une petite entreprise, le fameux SEPE. -E. Ça veut dire qu'elle respecte les critères du 90 qu'on va voir dans deux petites minutes. Donc, on dirait bien qu'effectivement, pour celle-là, on aurait une chance. Donc, on va faire le travail sur cette, cette perte-là ici qu'on va tenter de qualifier de PDTP. C'est la seule qui a une chance d'y arriver. Donc, c'est la partie verte ici de, de la solution. Donc, dans le livre ici, il y a deux conditions qui qu doivent être satisfaites. Pour pouvoir transformer une perte en capital en PDTPE. Un, il faut que l'investisseur ait fait une perte. Ben, c'est sûr, là, si tu vends ton placement à profit, tu n'en as pas de perte. Mais tu ne pourras pas la transformer en PDTPE. Donc, ça, c'est satisfait. Deux, il faut que la société émettrice, dans mon cas euh, Entretien MB, se qualifie de société exploitant une petite entreprise. Je vais aller vous le montrer dans le volume, ça, dans deux petites minutes. Ça, c'est une société qui respecte le test du 90%, donc plus plus de 90% de ses actifs sont utilisés activement dans une entreprise. On le disait dans, le, dans une bulle que c'était le cas. Donc, puisque les conditions sont respectées, le 20 000, on dirait là, pourra se qualifier de PDTP. Hein? Dernière petit, dernier petite nuance. À, à ce stade-ci... Tout fonctionne pour que le 20 000 se qualifie de PDTPE. La dernière chose qu'on va voir dans deux petites minutes dans le volume, si M. Gaulin, dans sa vie passée, a déjà profité de l'autre abri fiscal, l'autre abri fiscal, c'est la fameuse déduction pour gain de capital, la DGC. Si l'investisseur, dans le passé, a déjà pris des montants de DGC, ce que ça a comme conséquence, c'est que ça vient lui nuire dans la transformation de perte en capital en PDTPE. Ça vient lui unir dollar pour dollar. Donc, dit autrement, chaque dollar de DGC pris dans le passé t'empute d'un dollar dans ta transformation de perte en capital en PDTPE. Donc, si tu n'en as jamais pris de DGC dans le passé, ça ne t'affectera pas, mais si tu en as déjà pris, ça va t'affecter. Est-ce qu'il en a déjà pris, M. Gaulin? 5 000. Hein? On apprenait qu'il en avait pris 5 000, donc malheureusement, ce n'est pas 20 000. De perte en capital qu'on va transformer en PDTPE, c'est 20 moins 5, c'est 15 000. Donc, notre réponse finale, c'est que sur 23, sur cette perte-là de 20 000, 15 se transforment en PDTPE et non les 20 au complet. Je vous montre ça dans le volume. Donc, je suis rendu à la page 216 de votre volume. Juste avant d'aller vous montrer les, ces technicalités-là, je veux vous montrer la vue d'ensemble. C'est important de, de, de la garder, surtout si vous, si vous êtes des étudiants en finance ou en comptabilité, vous allez conseiller des gens qui font des placements. Le gouvernement a mis en place dans la loi un portefeuille, un portefeuille d'abris fiscaux ou d'allègements fiscaux. Je ne parlerai pas ça des abris fiscaux. Trois allègements fiscaux qui visent exactement les mêmes personnes. Les, donc, le but, c'est d'encourager les gens à investir dans des petites compagnies canadiennes. Donc, ça en fiscalité, on l'appelle SEPE. -E. Donc, quand, tu, quand un investisseur fait un placement en action ou en créance dans une SEPE, -E, une, une compagnie, on verra les critères, là, mais c'est ça le but de la mesure. Peu importe comment va finir son aventure dans ce, par rapport à ces investissements-là, peu importe comment va se terminer son histoire, il y a trois allègements fiscaux qui peuvent l'attendre. Donc, l'investisseur, il est blindé. Peu importe comment va, comment ça va finir cette histoire-là d'avoir investi dans une compagnie, une petite compagnie canadienne privée, un profit ou une perte, peu importe, il y aura un abri fiscal pour lui. Donc, première possibilité, imaginez que tu vends ton, ton placement à profit et que tu fais un gain capital. Savez-vous, c'est quoi la réponse du gouvernement pour l'abri fiscal qu'on va accorder dans cette situation-là? On vu l'a vu la, la session passée en fiscalité 1 un 800, 800-quelques-mille 800 dollars de, de, de DGC, donc la fameuse déduction pour gain de capital de 800-quelques-mille dollars à vie que tous les investisseurs ont, c'est ce qu'on va offrir à la personne qui a fait un gain. Si l'investisseur vend ses actions, mais il ne fait pas de gain, il fait une perte, êtes-vous d'accord pour vous dire que la, la déduction pour gain capital ne sert à rien à quelqu'un qui n'a pas fait de gain de capital? Donc, si quelqu'un fait une perte, le gouvernement dit T'inquiète, j'ai une mesure fiscale pour toi. Ça s'appelle la PDTPE. Donc, ta perte en capital, on va te permettre de la déduire contre toute source de revenus. Donc, il est blindé, l'investisseur. Qui fait un profit, prend la DGC, fait une perte, on la qualifie de PDTPE et on peut la déduire contre toute source de revenus. La seule chose que le gouvernement a dit, c'est que ces deux, deux mesures-là, ils sont liés. Ce que le gouvernement dit aux investisseurs, c'est qu'à chaque fois que tu prends un dollar d'une des deux mesures, ça t'empute d'un dollar dans l'autre mesure. Ça va dans les deux sens. Donc, le gouvernement dit si tu prends un dollar de DGC dans ta vie, la journée que tu vas vouloir qualifier une perte en capital de PDTPE, il y a un dollar qui ne sera pas possible. Là, dans, dans notre cas, nous, c'était 5 000 dollars. Donc, si quelqu'un a pris dans sa vie 5 000 dollars de DGC dans le passé, Bien, la journée où il fait, sur un autre placement, il fait une perte et qu'il tente de qualifier la perte en capital de PDTPE, le premier 5000, on va lui refuser. Puis ça va dans l'autre sens aussi, vous ne vous en rappelez pas, mais dans le calcul de la DGC, quelqu'un qui a pris de la PDTPE dans le passé est amputé aussi, dollar pour dollar. Ça va dans les deux sens. Donc, on va aller juste voir cette fameuse mesure-là. Euh, donc les conditions avoir donc un il faut avoir disposé de ton placement à perte évidemment et surtout il faut que tu aies vendu des actions ou une créance dans une société qui se qualifie de société exploitant petite entreprise SEPE. donc regardez ici ça ce sont toutes les compagnies en euh, privé et public en orange on a des, ce qu'on appelle des SPCC. Ça, c'est une compagnie qui est privée, contrôlée par des Canadiens. C'est pas assez. En bleu, il faut que la SPCC, quand on vérifie ses actifs, qu'elle ait, qu ait 90 ou plus de ses actifs utilisés activement dans une entreprise. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait étudié la DGC en fiscalité 1, on l'avait vérifié, ce critère-là. On regardait le bilan d'une société, puis on allait vérifier qu'il y a été, Très, que la majorité des actifs, 90 ou plus des actifs, étaient des actifs utilisés activement en l'entreprise. Parce que le but de cette mesure-là, ici, là, c'est d'encourager les gens qui investissent dans des, dans des petites compagnies canadiennes actives. Actives, ça veut dire qu'ils sont en affaires, qui opèrent pour vrai. Donc, c'est des compagnies que, lorsqu'on scrute leur bilan, on trouve très peu de placements ou très peu d'encaisses. Il faut que ça roule, faut que ce soit du stock, de, de l'inventaire, des comptes à recevoir. Faut, on veut vraiment stimuler l'investissement dans des compagnies actives. Une compagnie qui est pleine de placements, là, ça ne fait pas rouler l'économie. Donc, donc, si ta compagnie est pleine de placements, les allègements fiscaux ne seront pas disponibles parce que tu ne respecteras pas le critère. Donc, euh, dont je vous parle ici, le fameux 90 euh, Dans le cas de M. Goulin, on ne vous a pas demandé de faire le test sur les actifs, on vous l'a dit que les conditions étaient satisfaites. C'est bon? Euh, Peut-être que je, peut je vais leur montrer vite, vite, là. Je, je suis obligé de prendre un autre exemple, là, mais on en a un dans le volume. Un test sur les actifs, là. regardez, on vous donne ici une compagnie, euh, peu importe, là, ABC Inc., qui a 525 000 d'actifs au bilan. D'accord? La première chose, c'est qu'il faut trouver la, va la valeur marchande des actifs, parce que le test dit qu'il faut que 90 de la valeur marchande de tes actifs soit utilisée activement en entreprise. Donc, il faut, il faut un peu faire du travail pour trouver la valeur marchande des actifs. On en a pour 517. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la valeur comptable, hein, qui, elle, est, un, est au coût. Je vous rappelle que les comptables, eux, quand ils dressent un bilan, c'est des coûts d'origine. Moi, j'ai besoin des valeurs marchandes. Et surtout, L'étape qui est importante, c'est de prendre chacun de ces actifs-là et de détecter lesquels sont utilisés activement en entreprise, puis lesquels ne le sont pas. On peut y aller, à, regardez ici, donc euh, dans le fond, euh, une encaisse excédentaire, c'est une encaisse qui est en... Donc, ben, où, un fonds de roulement, ça, c'est un actif qui est nécessaire pour opérer une entreprise. Mais si on juge que tu as trop d'encaisses, si c'est prouvé que 20 000 d'encaisses, ça suffit. Pour opérer ton entreprise, puis toi, tu en as 28. Ça veut dire qu'il y a un 8000 que c'est un encaisse en qui est stagnant, qui est inutile pour l'entreprise, qui est l'équivalent d'un placement. Donc, lui, on le disqualifie. Des débiteurs, c'est correct. Des stocks, c'est correct. Des frais payés d'avance aussi. Un dépôt à terme. Une compagnie, est supposée avoir des dépôts à terme? Non, ça, c'est un actif superflu. Des accomptes provisionnels, c'est correct. C'est de l'impôt qu'on a envoyé à l'avance au gouvernement. Les immobilisations, de l'achalandage. Donc, cro... Donc, on fait nos auto ici. Dans, pour cette entreprise-là, j'ai 474 000 d'actifs utilisés en entreprise et 43 qui ne le sont pas. Croisez-vous les doigts, j'espère que ça ne dépassera pas 10 Donc, 474 sur un total des deux ici de 517, ouh, 91 c'est floche. Donc, cette compagnie-là, à titre d'exemple, se qualifierait d'SEPE, mais c'est limite. Elle a vraiment tiré au maximum en allant. Dans ce bilan-là, on a 9 de la valeur marchande qui est en actif. La limite, c'est 10. Vous comprenez qu'une compagnie qui aurait moindrement un peu plus de placement déjà ne respecterait pas le critère. Donc, c'est comme ça qu'on vérifie ce fameux critère-là qu'on n'a pas eu besoin de vérifier dans le cas de Gaston Gros. Donc, je vais aller vous montrer la dernière, le dernier calcul à la fin qu'on a fait. Donc, une fois que les conditions sont, qui sont ici sont satisfaites, donc j'ai vendu mon placement à perte et ma compagnie se qualifie d'SPE, donc, le fameux critère du 90 la fameuse partie bleue qui est ici. Donc, euh, le calcul qui est encadré ici. Donc, on, on va prendre notre perte en capital et on va retrancher toutes les déductions pour gain en capital qui ont été déduites dans le passé. C'est pour ça que M. Gaulin, on a dit il a fait une perte de 20 000, mais malheureusement, dans le passé, il a déjà pris 5 000 de l'autre mesure. Donc, ce 5 000-là vient être amputé cette année. Et ce sera seulement 15 000 qui se qualifient de euh, qui peut être de, vraiment déplacé dans la déclaration de revue. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est un gros sujet, OK, c'est important. Pratiquer. Moi, je, 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 je vais un peu vite parce que je sais qu'on a beaucoup d'autres choses à parler. Il faut traiter tous les sujets de la semaine. Mais c'est un sujet important. Euh, Assurez-vous de le maîtriser. Là. Je vous jure qu'à l'examen, je vais revenir avec ça. Que la PDTPE, écrivez-le, pas Jane. C'est important. Des affaires moins importantes là. Dans, de, dans le sujet 4, ça, c'est important. Donc, Assurez-vous de bien comprendre les nuances, mettez ça en pratique plusieurs fois. Des fois, vous me dites Ah, oh, j'ai été surpris, l'information était présentée différemment. Oui, mais si tu le comprends vraiment, tu ne sais pas si vous êtes surpris. Donc, pratiquez, pratiquez, répétez, répétez plusieurs fois ces concepts-là. Il, il y a un problème dans la BQ en fiscalité, je pense où il y a trois, trois pertes qui se qualifient de PDTPE. Donc, vous, répétez, vous pratiquez le problème trois fois, ce qu'on vient de faire. là, C'est sûr que ça va aider. Bon, mais ben, s'il n'y a pas de questions, alors je termine avec le dernier sujet et non le moindre les transactions en personnes liées. Euh, dans le cas, on en avait juste une. Je, je l'ai mis ici. Là. Donc, on apprenait dans l'énoncé... Oui, pardon. Euh, je pense quelque chose. Je sais que c'est en bas, mais je me suis... Il y a une dernière chose que je vais vous montrer. Je vais, faire les... je vais changer l'ordre comme... Regardez. Un, ce sujet-là, je l'aurais fait à la fin, mais je vais le faire tout de suite parce qu'il est lié avec ce qu'on vient de discuter. Regardez, dernier thème que je vais vous montrer. Tout à l'heure, je vous ai dit, ici, là, il, y a, il, y a, il y a trois mesures fiscales, mais on en a juste vu deux. On a dit, si on fait un gain, on prend la DGC. Si on fait une perte, la perte se qualifie de PDTPE. C'est quoi la troisième mesure? C'est vraiment blindé. Donc… Le gouvernement dit aux investisseurs, imagine, si tu fais un gain, puis tu n'as plus de DGC pour petit, tu as pris tout ton 800 quelques mille à vie, puis, tu fais, puis que tu investis encore dans des petites compagnies canadiennes, bien, on va t'aider. Donc, la troisième mesure, c'est elle est moins intéressante que la DGC. C'est sûr que tout le monde prend la DGC. Mais c'est en réponse aux gens qui disent Oui, mais moi, j'en ai plus de DGC. Ils n'ont pas pitié, ces gens-là. Ils ont toujours bien pris 800 000 d'allègements de, de, fiscaux. Puis, qui continuent à investir dans les petites compagnies canadiennes. Ils veulent, ils ont dit, oh, en tout cas, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on leur propose un troisième allègement qui est moins intéressant que la DGC, je l'ai dit c'est le report du gain capital. Donc, quelqu'un qui investit dans une petite SEPE, qui vend, qui fait un gain, je répète, là, qui n'a plus de DGC disponible, au moins, il pourrait reporter son gain capital. Pour reporter son gain de capital, il va falloir, on va demander à, à l'investisseur qu'il pose un geste. Quel est-il d'après vous? La personne, l'investisseur, vient de faire exactement le contraire de ce qu'on souhaite avec ces mesures-là. Avec ces mesures-là, on veut inciter les gens à investir dans des SEPE. Lui, il fait le contraire, il désinvestit. Il vient de vendre. Il vient d'encaisser un immense produit de disposition. Donc, on va lui demander de poser un geste. Si tu viens de désinvestir dans une SEPE, prends ton argent puis investis dans une autre SEPE. Donc, donc, un investisseur qui vend des actions de SEPE, s'il rachète des nouvelles actions dans une autre SEPE, on va lui permettre de reporter son gain de capital. Parce que c'est gagnant-gagnant. Il est bon pour nous, cet investisseur-là. Il laisse son argent dans une compagnie canadienne, dans une autre. Donc, s'il est bon pour nous, on va être bon pour lui. La deuxième fois, il vend des, les actions de la deuxième compagnie canadienne, puis il réinvestit dans une troisième. On va reporter son gain capital. C'est sans limite. Tant qu'il laisse son investissement dans les compagnies canadiennes, on accepte de reporter le gain capital. Jusqu'au jour où il va, il va être tanné, puis là, il va faire une vente d'actions de compagnie canadiennes, puis il va dire non, là, je suis tanné, je fais d'autres choses avec mon argent. Donc là, on va l'imposer sur le gain capital. Donc, euh, regardez un petit peu. On euh, donc, les conditions, donc euh, avoir, vendu des, euh, avoir vendu des actions dans une SEPE, mais surtout s'acheter des nouvelles actions. Puis on a quand même un bon délai. On a quatre mois suivant la fin de l'année pour acheter des nouvelles actions. Donc, si je vends des actions en février, j'ai jusqu'au 31 décembre plus quatre mois. Jusqu'au 30 avril de l'année suivante pour m'acheter des nouvelles actions. Donc, j'ai le temps en masse. On a jusqu'à la fin de l'année, plus quatre mois pour acheter ce qu'on appelle des actions de remplacement. Et si c'est fait, il va y avoir un rapport. Regardez comment ça se passe avec des chiffres ici. Euh, le 14 janvier, on a quelqu'un qui vend des actions. Il les vend pour 5 millions, il les a payées 2 millions. Donc, on dirait qu'il va faire 3 millions de gains. Mais ce que je veux surtout savoir, c'est son produit de disposition ici, là. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Son 5 millions, est-ce qu'il va s'acheter un bateau, un chalet? Est-ce qu'il va aller voyager? Ou il va peut-être prendre cet argent-là pour acheter des actions dans une nouvelle compagnie canadienne? Ou peut-être qu'il va faire un mix des deux. Une partie pour profiter de la vie, une autre partie pour investir. C'est ce qu'il fait. Donc, sur son 5 millions, il y en a 4,5 qu'il réinvestit dans une autre SEPE, dans le délai qui était demandé. Puis un 500 000 qu'il garde pour faire autre chose. Donc ici, le rapport va, va être partiel. Si, pour avoir eu un rapport complet, il aurait fallu qu'il réinvestisse tout le 5 millions. Ici, il y en a juste réinvesti 4,5. C'est quand même une bonne, une bonne proportion. Donc, il va avoir un rapport sur la même proportion de son gain capital. Donc, toutes les conditions sont rencontrées. Euh, on a vendu des actions dans une SEPE et surtout, on a acheté des actions de remplacement dans le délai qui était demandé. Donc, voici, le, voyez le, le, le fameux calcul du 3 millions de tout à l'heure, là, ici. On va venir en reporter une partie. Le calcul est ici. Au dénominateur, combien tu as encaissé quand tu as vendu, quand tu as désinvesti dans la première société? 5 millions. Et sur 5 millions, combien as-tu choisi de réinvestir au Canada? 4,5. Ça, c'est un ratio de. Est-ce qu'il y en a qui le voient? 9 sur 10. Donc, puisqu'il a réinvesti 9 dixièmes de son argent, on va lui permettre de reporter la même fraction, 9 dixièmes de son gain. Donc, le 9 dixièmes, on va l'appliquer aux 3 millions et on va pouvoir et on va enlever ici un 2,7 en réduction. Donc, finalement, on va seulement imposer sur le gain, un très petit gain capital de 3 millions moins le rapport de 2,7. Donc, euh, il ne va rester pas grand-chose d'imposant. Un dixième, finalement. Ce, ce rapport, c'est du rapport, hein, il n'est pas perdu. Le 2.7, il vient s'appliquer en moins immédiatement sur les nouvelles actions. Donc, euh, notre investisseur vient tout juste de s'acheter des nouvelles actions, 4.5 millions. La seconde qui suit, le PBR est réduit d'un montant équivalent. Investisseur va dire, c'est quoi cette histoire-là? J'achète un placement 4,5 millions et la seconde d'après, je perds 2,7 de PBR. Ça veut dire que quand je vais revendre ces actions-là plus tard, je, on va m'imposer sur 2,7 2, de plus. Ben, c'est normal. Le 2,7 qu'on a enlevé cette année, il va, il va, on va le mettre latent, en attente sur tes nouvelles actions. Et comme je disais, si tu... Si tu réinvestis à chaque fois dans des compagnies canadiennes, à chaque fois, ce, ce jeu-là va s'opérer. Parce que c'est bon pour tout le monde, ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire au niveau de ça. On ne l'avait pas, pas pratiqué dans le cas. Je vais aller vous montrer la dernière chose, c'est le, le don. Là. Puis, je vais surtout aller vous le montrer dans le volume. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez bien lu, mais au niveau du don, quand on donne euh, un bien à son conjoint, c'est comme si on l'avait vendu à un prix de vente fictif. Ce n'est pas, pas vrai, hein? Pour vrai, là, dans la, au niveau économique, c'est zéro. Je l'ai donné, mais on fait semblant que je l'ai vendu 111. C'est quoi 111? C'est la FNAC du bien. Donc, pour une transaction en conjoint, il faut faire semblant que la transaction a lieu au coût indiqué. Donc, dans ceci, c'est ce, une FNAC. C'est le montant de la FNAC, c'est 111. Donc, dans mon cas, ça va donner une, une perte en capital réputée nulle. Je veux vous montrer ça dans le volume, c'est euh, plus euh, parlant. Toutes ces notions-là de. Donc, on va aller à la toute fin. 4.10, je suis rendu à la page 233 du volant. Là, ça ne sort pas bien à l'écran. On a un tableau finalement ici. D'accord? Avec deux colonnes puis deux lignes. Quelles sont, quelles sont les règles lorsque je transfère avec mon conjoint? Puis quelles sont les règles quand je transfère avec une personne autre que mon conjoint? Et les deux autres euh, les lignes. Qu'est-ce qui arrive si la transaction se fait pendant que je suis vivant? Et qu'est-ce qui arrive si la transaction se fait à mon décès? Donc, il y a comme quatre situations possibles. Un, deux, trois, quatre. Pour ne pas te mêler à l'examen ou dans une question de, de, de la en fiscalité, assure-toi de comprendre dans lesquelles de ces quatre tableaux-là tu te situes. Est-ce que la, nous, c'était quoi notre situation? C'était un immeuble donné à ma, à ma, con, à ma conjointe euh, de mon vivant ou, à, ou au décès de Monsieur euh, donc ici, on se retrouve ici. Tantôt, la vente d'un dos civique au fils, on se retrouvait où? Ici. Hein, comprenez? Puis s'il y avait un contexte de décès, ce serait la même logique qui s'appliquerait. Je vais aller vous les montrer une par une, ces règles-là. Je commence par le carré qui est ici. Sont, comment s'appliquent les règles 4.10.2 quand je transige avec mon enfant? J'en ai parlé un petit peu, ou une autre personne, là, liée, mais autre que mon conjoint. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Le, le but de ces mesures-là, c'est de forcer les, les gens à transiger à un prix de transaction qui reflète la juste valeur marchande. Et si les gens ne le font pas, on va les pénaliser. Vraiment. Je vais, donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez le comprendre assez, assez rapidement. Donc, quand on fait une transaction entre avec une, une personne autre que mon conjoint, il y a trois cas de figure qui peuvent arriver là. Ben, je vais dire quatre. d'accord euh, Le quatrième, ça serait si, tu trans, si ton prix de transaction reflète la valeur marchande. Donc, si la voiture, tantôt, on l'avait vendue 14 000 alors que la valeur marchande est vraiment de 14 000, il n'y aurait aucune règle fiscale qui aurait eu besoin de s'appliquer. Tu n'as pas triché. Permettez-moi l'expression. Mais ça, c'est rare. Les trois autres cas de figure. Un, tu vends plus cher que la valeur marchande. Deux, tu vends moins cher que la valeur marchande. C'est ce qui est arrivé tantôt, hein, quand on a vendu le Honda 3000$, il en valait 14. Troisième cas de figure, tu donnes un bien à ton fils ou à ta fille. Ça, ça ne s'est pas appliqué dans le cas de M. Gaulin, il lui a vendu en bas de la valeur marchande. Si tu vends un bien au-dessus de la juste valeur marchande, pour l'acheteur, on fait semblant qu'il a acheté à un prix égal à la valeur marchande. Pour le vendeur, on ne fait aucun ajustement. Dans l'autre scénario, c'est le contraire. Si tu vends en, un, un prix de vente en bas de la valeur marchande, on va appliquer un ajustement pour le vendeur, mais pas l'acheteur. Quand je vous dis qu'il y a un effet pénalisant, vous allez le voir avec des chiffres dans deux petites minutes, c'est là. Le fait que tu n'ajustes pas les deux personnes, ça fait que tu mets ces personnes-là dans une situation de double imposition. Vous savez, vous savez quoi de la double imposition le même gain capital, le même, va être imposé pour deux personnes. Le vendeur et l'acheteur vont s'imposer deux fois sur le même gain capital. Ça va, contre toutes les, ça va contre beaucoup de principes en matière de fiscalité, mais c'est volontaire. On veut forcer les gens à ne pas faire ça. Si tu fais un don, c'est moins pire parce que les deux personnes vont être ajustées. Autant le vendeur que l'acheteur, on va faire semblant qu'ils ont, qu ont transigé à la juste valeur marchande. Donc, dans ce cas-ci, au moins, ça ne crée pas de double imposition. Je vais vous montrer avec des chiffres. Regardez, les quatre cas de figure sont là. Donc, on a une madame qui transfère un bien à son fils. Le bien vaut 30 000. La femme l'avait payé 10 000. Okay? Trois scénarios possibles. Elle vend trop cher à son fils, pas assez cher, ou elle le donne. Okay. Premier scénario, elle vend le bien trop cher, plus cher que la valeur marchande. Donc, comme je vous disais, pardon, le fils, ici, on va faire semblant, on va, donc, juste que vous reteniez bien, là, en bleu, c'est le vrai, il y, y a un chèque de 35 000 qui a circulé, là. Pour vrai, le fils a fait un chèque à sa mère de 35 000 c'est vraiment économiquement ce qui s'est passé. Pourtant, dans le rapport d'impôt du fils, celui qui a acheté, on va faire semblant qu'il a acheté son placement à 30 000. Donc, puisque la valeur marchande du placement est de 30 000, même s'il a payé 35 000 pour vrai, on abaisse son coût à 30 000. Vous allez me dire, bien, on fait, j'imagine, le même ajustement pour sa mère. Non. La mère, on ne fait aucun ajustement et on la laisse déclarer le vrai prix de vente qu'elle a reçu. Donc la mère a reçu pour vrai 35 000. Reste avec ça. Donc la mère s'impose sur un gain capital de 35 moins 10, donc comme c'est normal. Donc je ne sais pas si vous le voyez, mais dans cette situation-là, il y a une double imposition sur 5 000 de gain capital. Il y a un 5 000 de gain capital qui va être imposé deux fois, et chez la mère et chez le fils. C'est pas normal. Ma... Qu'un qu vendeur s'impose à 35, puis que l'acheteur repart son futur impôt à 30. Normalement, quand quelqu'un s'impose à 35, l'autre repart à 35. Bien, la, le, le, ce 5 000 $-là, ici, là va être, celui entre 30 et 35 qui a déjà été imposé chez la mère, va être imposé tantôt chez le fils. 5 000 de gain de capital imposé chez les deux personnes. On veut les décourager de faire ça. Deuxième scénario, c'est l'inverse. C'est la même chose qui va arriver, mais à l'inverse. Quelqu'un qui vend à 28 alors que la juste valeur marchande est de 30. Donc, pour le vendeur, la mère, on fait semblant qu'elle a encaissé 30 000. On fait semblant qu'elle a encaissé le, un prix de vente égal à la valeur marchande. Vous allez me dire, on fait le même ajustement pour le fils, j'imagine? Hein? Non, aucun ajustement pour le fils. Le fils a payé 28, on lui laisse un peu BR de 28. Donc, dans cette situation-là, encore une fois, il y a une double imposition volontaire sur 2 000 de gains de capital. Le deux, ici, on a imposé la marge jusqu'à 30 000 et le fils repart avec un PBR de 28. Donc, entre 28 puis 30, tantôt, quand le fils va s'imposer, c'est le même 2 000 qui a déjà été imposé chez sa mère. C'est rien, c'est des petits chiffres, ça. Imaginez avec des plus gros chiffres. Troisième situation la donation. Donc, finalement, troisième scénario, la mère ne le vend pas ni 35, ni, 20, ni 28. La mère dit Mon fils, je te le donne. Vous savez, c'est quoi une donation Il n'y a rien en retour. Donc, si c'est une donation, la mère ne reçoit rien en retour. Là, la fiction s'applique des deux côtés. Autant pour la mère que pour le fils, on fait semblant qu'ils ont transigé à 30 000 soit la valeur marchande du billet. Donc, au moins, ça ne crée pas de double imposition parce que les deux. Personnes sont ajustées de façon euh, concordante. Donc, pour les cas de donation en, entre, entre en personnes liées, on ne souhaite pas créer la même situation que dans les deux scénarios précédents. Je reviens en arrière. Donc, ça, c'est ce qui est écrit ici essentiellement. C'est comme ça que ça fonctionne. Je me transpose ici. Qu'est-ce que ça change? Si au lieu de transiger avec un enfant, je transige avec ma femme, ça change tout. Le gouvernement n'a pas du tout les mêmes objectifs ici qu'ici. Le gouvernement, son objectif ici, c'est que chacun s'impose sur sa juste part du gain. On ne veut pas voir quelqu'un éviter son gain puis faire en sorte de le transposer vers quelqu'un d'autre. Donc ici, là, en obligeant tout le monde à transiger à la juste valeur marchande, on s'assure que chacun s'impose sur le gain qui lui revient. Ici, là. Complètement différent. Pour le gouvernement, là, un couple, c'est comme une seule personne. Que tu transiges un bien avec ta femme, ton, le gouvernement s'en balance, ne veut même pas le savoir, puis il ne veut surtout pas déclencher d'impôt. Quand ça sortira du couple, là, on imposera, par exemple, vers un enfant. Mais tant que tu transites un bien à l'intérieur du couple, le gouvernement, ça ne l'intéresse pas ça C'est resté dans le couple, puis il, a, il ne veut surtout pas déclencher aucune imposition. Vous voyez que c'est bien différent. On est très, très loin de ça. Donc, concrètement, si on va voir à 4.10.1, les règles en fiscalité, on appelle ça, un, dans le jargon, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, on appelle ça un roulement fiscal. Un roulement fiscal, c'est une règle qui, qui s'applique et qui fait en sorte qu'il n'y aura aucune conséquence fiscale, jamais, 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 dans ces transactions-là. Donc, par défaut, là, laissez faire le choix, là, je, on, ça ne s'applique presque jamais. Là. Je vais surtout vous montrer le, le par défaut. Donc, par défaut, qu'est-ce qui va se passer? Pour le vendeur, on fait semblant qu'il a vendu le bien au coût indiqué. Et pour l'acheteur, même chose. C'est quoi ça, le coût indiqué? Si tu transiges un bien amortissable, c'est la FNAC. Et si tu transiges un bien non amortissable, c'est l'équivalent de ton PBR. Donc, avec ces fictions-là, est, la transaction va être totalement fluide. Ça ne va absolument déclencher aucune conséquence. Regardez ici, on tasse à droite, on, on, euh, pardon. on enlève la partie de droite parce que je veux juste qu'on regarde le par défaut. Regardez, je, moi, je transfère un, un immeuble à ma, à ma femme, à mon conjoint, un peu comme tantôt Gaston Gaulin avec sa femme. La bâtisse, coût, FNAC, valeur marchande. Prix de transaction, on s'en fout. On s'en fout. Ça n'a aucune importance qu'ils aient transigé plus, moins. On n'est pas du tout dans, dans cette chimère-là comme tantôt. La, la transaction va se faire de toute façon au coin indiqué pour les fins du rapport d'impôt. Donc, ça n'a aucune importance sur le vrai prix de transaction. Ici, là, pour la bâtisse, la FNAC, c'est le fameux coin indiqué. Donc, le montant de 72 000 va devenir le prix de transaction fictif dans cette transaction-là. Donc, venez, vous, venez voir avec moi qu ce qui va se passer. Donc, pour le vendeur, Madame Dorion, pardon. Pour le, Madame Dorion, sa bâtisse a une FNAC de 72 000 ici. Et elle, elle le vend. Donc, il faut retrancher le moindre du coût ou du produit de disposition. Ce n'est pas le vrai. Le produit de disposition, c'est quoi? On fait semblant que c'est 72. Excellent. Donc, 72 moins 72, pas de récupération. C'est sûr. On continue. On va calculer le gain capital. Prix de vente de la bâtisse. On fait semblant que c'est 72. Okay. Coût 80 perte en capital réputée nulle. Et ces 72 -là, de, ce 72-là devient aussi le coût pour son conjoint. Son conjoint, combien, quand on va lui demander combien as-tu payé cette bâtisse-là, au fin fiscal, fait semblant que c'est 72. Donc, il repart avec un coût de 72. C'est normal. Tout ce qu'on n'a pas imposé chez sa femme est reporté chez lui. C'est lui qui va subir les conséquences quand il va, les vendre, va vendre cet immeuble-là à l'extérieur du couple. On a roulé, on a reporté les conséquences fiscales vers monsieur. Pour le terrain, le terrain, c'est un bien non amortissable, donc il n'y a pas de FNAC. Le fameux coût indiqué, c'est le coût, c'est 10 000, c'est le PBR. Donc, pour la vente du terrain, on fait semblant que la vente a eu lieu à 10 000 pour les deux personnes. Donc, madame, madame combien avez-vous vendu votre terrain? Je vais faire un calcul de gain capital. Ça fait semblant que c'est 10 000. OK? 10 moins 10, ça donne zéro. Monsieur, combien avez-vous acheté le terrain? Ça fait semblant que c'est 10 000. 10 000. Bon. Donc, finalement, tout ce qui était. On, les, les, les attributs fiscaux de madame sont transférés pour monsieur. Aucune conséquence fiscale. Ça va toujours se passer de façon aussi fluide que ça, tant que le bien ne sort pas du couple. Donc, c'est ça qui le fait. Tantôt, quand on a fait le calcul pour monsieur. Euh, Monsieur euh, Gaulin, qui donnait un, une, un, 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 un immeuble à sa femme, c'est exactement ça qui se passe. Dernière chose, j'ai le temps, quatre minutes, cinq minutes. Je reviens ici, à mon tableau. Donc, ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. En une minute, on va régler toute la portion verte. Est-ce que vous savez quelles sont les conséquences fiscales quand je décède et que je lègue un bien à une personne liée à moi ou quand je lègue un bien à mon conjoint? Vous savez, il n'y a aucune différence hein, en impôt entre vendre un bien de notre vivant ou décéder et léguer. Léguer un bien à notre décès, c'est la même chose que vendre un bien. Ça va déclencher aussi un calcul de gains ou de pertes en capital. Donc, ce sont exactement les mêmes règles qui s'appliquent. Si je décède et que je lègue un bien à mon fils, par exemple, dans mon rapport d'impôt de personne décédée, on va faire semblant que j'ai vendu le bien à la juste valeur marchande. Et mon fils qui hérite du bien, on va faire semblant qu'il l'a acheté à la juste valeur marchande. C'est les mêmes règles qui s'appliquent. Et ici, si je lègue un bien à ma conjointe, on va faire semblant, moi, que je l'ai vendu au coût indiqué. Et qu'elle l'a acquis au coin indiqué. Vous ne me croyez pas? Regardez. Je savais que vous ne me croyez pas. Okay. Ça, c'est l'exemple que j'ai fait tout à l'heure. Est-ce que vous vous rappelez? On vient juste, juste de le faire. Transaction, on est, euh, on est ici. là. On était ici tantôt. là. Transaction entre conjoints du vivant. On l'a fait ensemble, cet exemple-là. Tout le monde s'en souvient okay. Clignez pas des yeux. Je vais faire les, un exemple au décès. Est-ce que vous avez remarqué? Je recommence. Ça, c'était l'exemple qu'on a fait tout à l'heure. Puis je vais vous présenter l'exemple en contexte de décès. Clignez pas des yeux, là. C'est quoi la différence Il y a un mot qui a changé. Je ne sais pas si vous allez le trouver. Faut être vraiment attentif C'est quoi le mot qui a changé Décès des Voilà. Donc ici transfert de son vivant. Page suivante décès des Tout le reste c'est pareil. Donc si tu décèdes pour celui qui décède, c'est ce qui va se passer. Puis pour celui qui hérite après, c'est au coût indiqué que ça va se faire. C'est le même exemple. C'est pareil. Même chose pour avec un enfant. Regardez ici, on l'a fait tantôt l'exemple avec l'enfant. Monsieur Dion, transfert de son vivant à son fils. Vous vous rappelez de tout de suite, tantôt, qu'il n'y a pas des yeux là. Je vais vous montrer un exemple en contexte de décès. Put, Non Pout oh. put. Pout. Pout. C'est quoi l'exemple Transfert de son vivant Décès et lègue. C'est le même exemple. Donc, si Mme Dorion décède et lègue un bien à son fils, pour elle, on fait semblant qu'elle vend 30 et pour son fils, on fait semblant qu'il acquiert 30. C'est les mêmes règles qui s'applique autant en, au contexte, en contexte de vivant qu'en contexte de test. C'est pour ça que ce tableau-là, je trouve qu'il y a quatre tableaux. Je trouve que c'est quand même très parlant. Là. Repérez comme il faut dans lequel des quatre cadrans vous vous retrouvez. Puis, ensuite de ça, allez lire un peu les, les, les théories correspondantes. Devriez... L'important, c'est d'appliquer la bonne chose. Je sais que j'ai beaucoup parlé, là, vous ne m'écoutez plus. Mais à l'examen, il y en a beaucoup qui appliquent les mauvais cadrans. Que dès qu'il y a une transaction de personnes liées, ils ne savent plus trop où tirer, il y a plein de règles différentes. Mais si, si, première étape, là, dans quel cadran tu te trouves? Puis une fois que tu as, as repéré ça correctement, c'est facile d'appliquer la règle. Laisse faire le reste. Là. Si ton cadran, c'est ça, ben laisse faire le reste. Puis, va ten juste, juste voir comment ça se passe euh, un, une transaction au décès quand tu lègues à ton fils. Tu as juste ça à aller voir. Laisse faire le reste. OK. Alors, ben, c'est pas mal ça que j'avais à vous dire.